Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jeudi 11 janvier 2024 et je vais vous parler de quelque chose en fait euh, qui est très intéressant pour moi et peut-être aussi pour vous et qu'on ne parle pas souvent, c'est le compost en fait de surface. Tout le monde connaît le compost mais le compost de surface on, on connaît un petit peu moins. Alors je vais vous déjà vous montrer mon compost actuel. Alors vous voyez ici j'ai mon compost en fait donc euh, que je fais dans, dans un grand euh, dans Un grand bac à composteur qui me sert bien sûr à, à autre chose à stocker parce que il est tellement grand que finalement je dois avoir euh, au moins 10 mètres cubes là-dedans. Alors, bien entendu, j'ai pas la possibilité de, de mettre autant de, de, de végétaux, euh, d'autant que maintenant je broie énormément et avant je ne broyais pas, donc euh, du coup ça réduit énormément la, la masse. Alors, ça voilà, ça c'est un, un compost qui, qui, qui commence à être bien mûr. On voit donc il y a euh, un, un rat ou des rats qui ont dû commencer à venir donc euh, des rats des champs parce qu'on est à la campagne hein. donc en ce moment ils recherchent quand même pas mal à manger donc euh, ils m'ont remué un petit peu tout ça c'est pas plus mal parce que ça permet donc en même temps d'aérer et de faire remonter les différentes couches là ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je vienne en fait avec la fourche euh, la, la fourche pour pouvoir remuer un peu tout ça et puis euh, et puis quand il n'y aura plus trop à manger les rats vont partir là pour l'instant ça me dérange ça me dérange pas trop euh, donc ça c'est un compost qui va me servir bien entendu à amender après plus tard de le potager euh, quand je vais euh, ben, faire l'amendement avec euh, donc le fumier de cheval donc euh, au début du printemps ou soit euh, quand j'aurai peut-être un besoin ponctuel pour certaines certaines cultures qui sont un petit peu plus exigeantes et avoir un petit compost en fait euh, euh, au pied au, au moment donc de, de la plantation et là vous voyez en fait j'ai j'ai mon petit bac euh, où on met tous nos petits déchets de, de cuisine et eh bien donc euh, à la maison et que l'on vide quand il est plein donc habituellement je, je vidais ça. Euh, eh bien, à, à l'endroit où je viens juste de vous montrer, mais maintenant je vais arrêter euh, donc d'en mettre dans cet endroit-là parce que je voudrais que tout euh, se, dé, se, se décompose pour 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 le printemps. Donc il reste environ encore trois mois. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que ce compost là, je vais venir le mettre sur euh, sur une planche. Donc vous voyez que là j'ai euh, mes planches qui sont qui sont bâchées, qui sont couvertes pour les protéger en fait de l'hiver. J'ai mes, mes allées pardon, qui ont reçu pas mal de, de broyats. Et puis j'ai cette planche là que j'ai fait l'an passé, qui n'a pas encore été énormément travaillée et forcément amendée. Et bien sur cette planche, je vais venir y mettre en fait et bien, du, du compost, enfin du compost, pardon, des déchets qui vont se composter directement en fait, sur place. Donc, le compost, on appelle ça un compost de surface. Et, euh, parce que finalement, on le laisse comme ça, directement, à même la planche. Alors, ce que j'ai là-dedans, bah voilà, j'ai des, des épluchures de, de carottes, de pommes, de pommes de terre, euh, j'ai de l'épluchure de bananes, il y a du kiwi, des, des coquilles d'œufs. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Eh bien, donc, je vais répandre ceci. Alors là, je le fais que d'une main, donc c'est pas évident. Mais je vous montre en fait le principe. j'essaye de cadrer en même temps que je secoue. C'est pas facile. Voilà. Mais donc le but, le but, c'est de mettre ça comme ça en fait en, en surface. Alors bien entendu, là, ça va. J'en ai pas. J'ai pas grand chose. Mais petit à petit, ça va venir euh, s'enrichir. Et tout ça, ça va se dégrader en fait euh, euh, directement sur place. L'avantage, c'est que le sol, il va profiter de toute la transformation de cette matière. Ce que ce que le sol ne fait pas finalement quand on met ça dans un bac à compost parce que euh, donc le le, euh, le sol qui profite c'est le sol qui se trouve sous le bac à compost mais pas sur les planches et quand on vient mettre le compost et eh bien on met sur nos planches et eh bien un résidu final donc euh, qui, qui, qui est abouti et, euh, et finalement on ne récupère que euh, une partie des bienfaits de tout euh, de toute la transformation en fait de cette matière et, euh, et alors donc là le fait de le mettre et eh bien donc en, euh, directement sur les planches en surface comme ceci et eh bien ça va permettre à toute la dégradation de pouvoir euh, opérer et en même temps de venir nourrir encore donc euh, tous ces petits hôtes qui vivent dans, dans le sol euh, directement sur les planches alors euh, L'été, quand on a nos cultures ou au printemps, c'est peut-être un peu disgracieux de faire ça parce que ben, du coup c'est peut-être pas forcément très esthétique mais par contre l'hiver quand, quand, quand il n'y a pas de culture et eh bien donc ça ne gêne absolument en rien du tout donc là ce que je vais faire c'est que j'ai un petit râteau je vais venir y mettre juste un, tout petit, un petit coup de griffe pour venir étaler tout ça tout propre euh, enfin tout propre j'exagère un peu mais de façon un petit peu plus uniforme et puis petit à petit maintenant on va venir enrichir et eh bien donc du coup toute cette planche alors on voit qu'il y a des parties, il y a un peu de paille là par contre j'avais pas de paille mis, il me restait plus de paille donc j'avais mis en fait aussi que, que du broyat euh, mais voilà donc l'idée c'est ça de, de sorte à ce qu'on va on va enrichir en fait euh, cette cette euh, cette planche euh, avec donc un compost de surface et d'ici euh, trois mois ça aura le temps de se, de se décomposer alors bien entendu aussi il peut y avoir des petites bestioles qui viennent grignoter aussi tout ça donc on peut enfouir euh, peut-être un petit peu plus profondément dans ce cas là avec euh, avec un croc. C'est peut-être aussi la possibilité que l'on peut faire de sorte à ce que finalement les, 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 les bêtes ne viennent pas trop donc, se, se nourrir là-dessus, que ça attire pas trop aussi les bestioles qui pourraient éventuellement après s'installer plus tard lors des cultures campagnoles, ce genre de petits nuisibles. Alors, comme vous pouvez le voir, quelques jours plus tard, la planche donc s'est enrichie de déchets végétaux. Alors qu'est-ce qui a été apporté là-dessus Eh bien il a été apporté donc, de, de la coupe en fait du verre des, euh, des poireaux parce qu'il était vraiment très très long et très retombant et euh, vraiment les feuilles euh, eh bien, étaient vraiment trop au contact au niveau du sol. Et, euh, et avec euh, la pluie que l'on a depuis, euh, depuis des mois, euh, franchement ça ne m'a pas trop plu. Donc euh, je leur ai fait une petite coupe comme, euh, comme certains font et comme j'ai déjà fait l'an passé qui avait ma foi pas trop mal fonctionné. Voilà, Donc, et après, ici, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a aussi, donc, euh, j'ai enlevé euh, finalement ben, le fenouil parce qu'ils avaient pris quand même pas mal de, de gel. Donc, j'ai coupé tout ça en petits morceaux pour que ça puisse se décomposer euh, plus rapidement. Il y a eu aussi, donc, euh, les navets. J'ai commencé aussi, ben, j'ai même pas commencé, j'ai tout enlevé en fait euh, des navets parce que finalement, ben, ils étaient véreux. Ça fait plusieurs mois maintenant aussi, c'est pareil, qui sont, qu sont en terre. Donc, euh, et puis, ils ont commencé à être trop fibreux. Ben voilà donc euh, du coup euh, la planche euh, s'enrichit en fait de déchets de végétaux directement sur place et puis là ben, normalement il devrait y avoir euh, si je dis pas de bêtises et si je change pas mon, mon plan euh, donc d'implantation je devrais avoir donc euh, les, euh, les poivrons qui, euh, qui devraient euh, venir au niveau en fait des claustra pour avoir un petit peu d'ombre donc euh, les poivrons je vais pas les mettre en terre euh, avant le mois de mai donc ben, là il y a de quoi de quoi se, se, se composter en fait gentiment à un moment donné bien entendu il faudra peut-être arrêter de, de mettre de mettre des déchets végétaux de sorte à ce que ça soit vraiment bien donc décomposé pour 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 le calendrier en fait finalement de, de plantation donc voilà vidéo très très courte. Retenez le principe donc du compost de surface, si ça vous intéresse, testez aussi, vous verrez, euh, ça, marche, ça marche pas mal. Allez les amis, je vous dis ciao et à une prochaine.